Eh bien, bonjour à tous! Et bonjour à tous les unboxeurs en ce 12e jour de l'Aventon. Ouais. Ah, tu de l'Aventon, bravo. Du calendrier de l'Aventon. Bravo. On est à la moitié, on a ouvert la moitié des. La mi-chemin. On va ouvrir la moitié des. On va avoir ouvert aujourd'hui la moitié des trucs, ouais. J'aimerais bien une grande parce que ça fait. Tu l'as pas ouvert. Ça fait un moment qu'on l'a pas eu. Ouais, c'est vrai que. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu des grandes. Il y en a que 10 des grandes, je crois. T'avais déjà compté. C'est pas 2, non, c'est une petite. 4, 6, 8, 10, 12. C'est une petite. Sonner. Bah, sonner, t'es sûr? Ouais, c'est sûr. Bah, je te laisse meubler. Alors, on va ouvrir une bougie. Ouah. Alors, là, c'est un parti pris niveau parfum. On a. Alors, déjà, au niveau de l'odeur, est-ce qu'on retrouve? Ça fait très sucré, j'aurais pas retrouvé. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais dit que moi, j'aimais pas la cerise. On est sur de la cerise avec du coca. Coca cerise. C'est pas. Coca cherry. Pourquoi pas? On va ouvrir ça. On va l'allumer. Et on va laisser diffuser. Hop là. Voilà. Ensuite, vous le connaissez, on va enchaîner par le calendrier de l'Avent. Oli, le premier, celui qui était le premier en termes de tarifs. Donc si j'ouvre le 12e jour, on est ici. Voilà. Donc on va checker Strawberry Shark. Alors j'ai quand même remarqué, c'est bien, je vais le découvrir. Mais tout le monde le sait, mais moi je viens de le découvrir, qu'à chaque fois qu'on a un nom de parfum... À chaque fois qu'on a un nom de parfum avec un animal dedans, c'est la gamme énergie. Voilà. Donc là, on est sur la. Alors, on est sur fraise strawberry shark, fraise requin. Et en fait, c'est fraise orange, mandarine, strawberry et tangerine. Tangerine. Et par contre, là, je vois un quartier de mandarine. Bah, c'est peut-être une peut-être de la mandarine qui se tange. Donc, agrumes. Fraise agrumes, ça doit pas être. Fraise agrumes. On va ouvrir celui-là, il y a du monde. Checker ça gentiment. Ouais. Donc on va, hop. Ah, ça tombe bien, on les a déjà vus. Ah oui, ceux-là, on les connaît. Et bah celui-là aussi. Ah bah oui, c'est là. Donc ceux du loup, on les a déjà goûtés et notés. Ah, je peux me lancer dans le basket aujourd'hui. Voilà. Ce qui va se passer, oui, on aura peut-être de la neige. Parce que c'est ton merde. Ce que je t'ai déjà dit. Le choqué, tu l'as déjà bu celui-là? Non, je ne vois pas d'énergie. Il y en a qu'une, c'est la Watermelon Whale que j'ai. Tu veux tester? Je teste. Vas-y, commence. Je teste. C'est pas mal. On l'a là. Oh, non, au nez, c'est du médicament. Au nez, c'est du médoc. Ouais. Je monte. Là où. Je le remonte là. Hop là, le Strawberry Shark. Ça met une musique dans la tête. Strawberry. Ah. C'est bien tout ça. Alors, à l'odeur, ça fait chimie. Monstre qui pourrait être. À l'odeur, ça fait chimique. À la maison. Pour une petite soirée raclette, donc. À l'odeur, ça fait chimique. Au goût, c'est bon. Au goût, c'est bon. Au goût, c'est assez bon. Au goût, c'est bon. J'avais mis combien pour l'autre où on a trouvé que le goût était bon là. Moi, je sais combien je mets. Piche Panthère, on avait mis 8. Ouais. Et très pareil. Moi, je mets un 7. Je trouve moins bon. Il est où? Il y a le côté chimique là. Strawberry Shark. Lou, tu peux. Hop là. Te chute. Ça va tester la qualité des. Oui, mais je le vois. Des DJI Mag 2. Voilà. Ah oui. C'est avec pour une ça que filtration active du bruit ambiant. Ouais, bah, mais le chien qui aboie, c'est pas. Hop là. Voilà. 12. Fromage. Yes, c'est le dernier qui était sous vide. C'est le dernier de ceux qui étaient sous vide dans la poche. C'était le 9 celui qui avait coulé. Ouais, c'était le chèvre. C'était le chèvre l'autre jour. C'était le chèvre qui avait mal vécu à la compression du sous vide. J'avais pas vu. Attends, je vais le faire aller voir les gens. Je te laisse. Alors, on est. Ce que c'est. Hop là. Donc, c'est plutôt un fromage Tim Tom à pâte pressée. On va se regarder ce que c'est. Hop, voici. Hop là, voilà, ça fait moins de bruit maintenant qu'il est descendu. En fait, c'est vrai que généralement, comme t'as le micro sur toi et que tu te déplaces, bah forcément, même si t'es 3 pièces plus loin... Oui, j'ai juste dit, bah descends. Oui, pardon, excusez-moi. Hop là. Oh, ça a l'air pas mauvais, ça. Ah, je connaissais pas. Je connaissais pas et c'est introuvable. C'est pas de la pâte molle. Non, c'est pas introuvable, ça, mais... Ça va. Pas de pressé, non cuite. Merci. Alors, est-ce que c'est brebis ou vache?
Vache. Brebis. Ça va, ça va pas de dos, ouais. Rien. Non, ouais. Quoi. C'est de l'osso. O2SAU. C'est pas dans le qui est un imposteur de Squeezie. Il y en a un qui a, ils ont testé ça et il a dit que c'était de l'osso, je crois. J'ai pas la ref. Dans les Pyrénées-Orientales, son lait provient toujours d'un même troupeau, celui de l'exploitation. Il doit être affiné 2 à 3 mois. L'osso est reconnaissable au poinçon représentant une tête de bélier de face sur sa croûte. On n'avait pas assez de boue. Ouais, assez de croûte. Il garantit l'origine géographique animale. Attends, est-ce qu'on... À déguster en lamelles avec une planche de charcuterie. Oui, bah ça, tout marche. Fromage. C'est ça, la recette? Vin blanc sec du sud-ouest. Attends, ah oui. Est-ce qu'on peut pas utiliser... L'invité? Des invités pour savoir. Est-ce que l'invité va nous dire... Est-ce que l'invité sait ce que c'est de l'osso? On fait un micro-trottoir. Est-ce que vous savez ce que c'est que de l'osso? Il est très bon. Allez-y. Goûtez. Il est très bon. Dites-nous, dites à YouTube ce que vous en pensez. Eh bien, voilà pour, voilà pour le fromage. Je vous emmène maintenant vers le giveaway. Ah, tu l'as senti. On va vouloir vous demander un commentaire. Dites-nous quelque chose dans les commentaires. Je demanderai à Ben s'il voudra qu'on le mette. Dans les commentaires pour vous faire gagner un Stream Controller. Le Stream Controller, c'est un équivalent, pour citer une marque, de Stream Deck de chez Elgato. On est sur un tarif totalement respectable. J'ai pas dit raisonnable, respectable. On a 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 18 touches de la marque Sumphone. Mince, la 5. Ouais, tu l'as éteint, très bien, rallume-le, c'est reparti. Parfait. Ouais, j'ai vu, top, bien vu. Il connaissait, l'osso? Non. Ah, ça me fait plaisir parce que... C'était de la brebis. Ah, il a trouvé que c'était de la brebis, chapeau. Donc, un 6-12, un 18 touches. Ouais, comme... moins que les Stream Deck, parce qu'ils sont moins. Oh, il y a des Stream Deck qui ont... À 24. Ouais, il y a 3. Mais 3... le truc de base, il n'en a pas moins. Oh non, il y a 6 touches, truc de base. Bah, on va vous ouvrir. Alors, j'ai dit qu'il serait à gagner par tirage au sort dans les commentaires. Bien sûr, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on met dans les commentaires? Vous mettez... Le prénom de votre mère. J'aime bien Anne. Chacun. Donc, vous mettez votre nom, le nom de votre mère dans les commentaires, mais ça marchera, peu importe. C'est 15 touches, le Stream Deck MK2. Est-ce que je l'ouvre ou est-ce qu'on le garde? Parce que je l'ai décellophané. Est-ce que on va l'ouvrir. On l'ouvre quand même pour montrer. Les abonnés voient à quoi ça ressemble quand même. Eh ben, je vais l'ouvrir sans l'abîmer. Oui, parce que toi, t'es plus délicat que moi. J'ai vu la dernière fois ce que ça avait donné. Donc vous allez recevoir un produit que vous verrez déjà ouvert, mais il est neuf. On l'aura juste ouvert pour la vidéo, cette vidéo-là, celle que vous regardez maintenant, qui vous aura permis de le gagner en mettant le prénom de votre mère dans les commentaires. Comme d'hab, de toute façon, les gens qui ont déjà gagné les trucs et tout, on l'a toujours déballé. Oui, on l'avait toujours déballé. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, bah, comme d'hab, on ne l'utilisera pas, quoi. Non. Et on vous glissera quelques sachets de Holly, voire la boîte découverte, je ne sais pas. Pourquoi pas. Bah c'est pas pourquoi pas, c'était prévu, c'est ce qu'on avait dit. Oui, on peut faire un autre jour. Gagner les... Ah, il y a un truc sur le côté, tu crois que c'est... 5, 10, 15, il y a 15 touches, oui. Et il y a un truc... C'est peut-être pas tactile, ouais. Mais tu peux mettre la météo, les trucs comme ça, c'est pas mal. Ah, c'est peut-être juste un écran qui indique bah, des je sais infos. Pas, en tout cas, ça te met la température, l'heure de coucher du soleil, et puis ta puissance de ton CPU, donc tu dois pouvoir le paramétrer. On doit pouvoir, donc c'est de l'affichage, c'est un affichage et... Je sais pas, peut-être pas que... Ah, c'est pas con par contre le truc pour le mettre, ça a l'air d'être magnétique. On a le support. Non. Ah, j'ai cru que c'était non. Merde. Bon, ça, bah nul petits... alors. Ça, c'est les petits pâtés anti-dérapants. Ouais, du coup, je pensais que c'était parce magnétique. Ça dérape pas. Pouvais, ça se met là. Et câble USB-C. Voilà. Donc tout est inclus. Il est à. Ah, il est hyper bon. Il a l'air d'être. Ouais, carrément. Franchement. Tressé. Ouais. Tressé en plus. Donc, Voilà, bon, c'est pareil, il doit falloir télécharger le pilote sur le site et tout ça, mais on est sur. C'est écrit. On est sur un Stream Deck. Stream Deck, ouais. Stream Deck, voilà. Il faut l'application Control Deck, qui est dispo au sm.key123.vip/win. Voilà. Donc, n'hésitez pas, mettez le prénom de votre maman. Voilà, son 06 éventuellement, pourquoi pas. Et puis. Numéro de carte bleue, tant qu'à faire, hein, qui t'en aille jusqu'au bout. Là, hein. Est-ce que tu arrives à me dire le parfum de cette bougie que j'ai ouvert? Là, tu vas. Bah oui, du coup. Cerise. Il y a de la cerise. Cerise soufre. Ouais. Non, c'est quoi? Cerise et... Et la cerise, elle est mise dans une boisson. Coca. Ouais. Coca cerise. Ah, le gars, il est fan. T'as vu un peu? Non, j'aurais fan de Oli. C'est pas Oli, ça? Non, c'est pour ça que j'ai pas trouvé. T'as dit, le gars, il est fan. Je te dis, c'est pour ça. Ah, si, je t'ai dit une boisson, t'as dit bah Coca. Oui, parce que c'est tous ces sodas que Oli m'a permis d'éliminer. Ah. Ah, tu vois? Merci à tous d'avoir regardé ce...
11e jour de l'Aventon. 12e jour. 12e jour de l'Aventon. Mais ça va pas. 12e jour de l'Aventon, parce qu'on a dit qu'on était à mi-chemin. Donc la moitié de 24, c'est 12, effectivement. Jusque-là, ça va. On espère que ça vous a plu. On attend vos commentaires. Et on vous dit à demain pour un nouveau unboxing. Et on tirera au sort ça entre Noël ou Nouvel An. Ce sera quand on aura fini Noël. On verra que en janvier. Est-ce que ça sera entre Noël et Nouvel An et le deuxième giveaway en janvier non, ou pas? Non, ça en janvier. Peut-être avant, mais sinon oui, c'est janvier. On vous mettra dans les commentaires, de toute façon, dans la description, quand est-ce qu'on tirera au sort. Merci à tous. Des bisous. Ciao, ciao. Salut. Découvrons ensemble le marathon du calendrier de l'Avent. Découvrons ensemble le Laventon.